Paf! Et on va pouvoir avancer. Donc, alors, ouais, je sais plus. Ah oui, alors. Donc, déjà, avant de le lancer, avant de commencer, j'ai fait du ménage dans mon stash. Parce que il en fallait, au bout d'un moment, fallait faire. Voilà, j'ai fait un bon coup de ménage. Donc, voilà, j'ai classé un peu les. Alors, il y en a beaucoup, hein, je pensais pas qu'il y en avait autant. Alors, je les ai classés un peu au pif là. Atred, c'est où? C'est là. Atred. Ça c'est une T2 donc ça va là. Et ça c'est quoi? C'est Atred T3. Voilà. Donc je les ai classés. Oh, il y en a beaucoup. Donc je les ai classés un peu. Et en fait ça se stack que par 9, c'est ça qui est chiant. Donc dès que j'en aurai 9, il faudra que je les échange contre des trucs au marchand. Donc voilà. Donc j'ai gardé quand même des T1 pour si jamais. Bah d'ailleurs je vais prendre les T1. T1 ça sert pas à grand chose et ça peut permettre d'avoir un stuff intéressant. Voilà, j'ai fait du rangement dans mon stash. Alors j'ai fait ça. Donc là c'est alors là c'est un peu voilà, les essences, les cartes. Bon ça j'ai laissé ça là. Là il y a les items légendaires. Voilà les deux items légendaires que j'ai. Là il y a les gemmes. Bon les gemmes on va plus. Salut Berix, comment ça va? Donc là il y a les gemmes. Alors les gemmes je vais arrêter de les prendre. Je vais juste prendre celles qui sont supérieures parce que sinon ça va être la catastrophe. Donc j'ai classé mes gemmes là. J'ai classé les potions là pour plus tard. Je sais pas si je vais les utiliser. Mais en tout cas, voilà, il y a un stage de potions. Et là, c'est le stuff. Alors ça, j'appelle ça la poubelle, mais c'est pas vraiment la poubelle. C'est le stash. Comment dire? Où je garde des trucs. Je garde des choses qui sont potentiellement bien que je vais peut-être utiliser mais c'est pas sûr voilà donc tout ça ça va là et je crois que c'est tout voilà bon le reste là j'en suis vous voyez au stage 5 et j'en ai 13 là faut que je le renomme celui-là je pourrais pas le renommer en je vais le renommer currency et je vais le mettre en rouge voilà comme ça stylé je suis en softcore, Berix. Je suis déjà mort deux fois. Je suis pas du tout. Je suis pas du tout attentif quand je joue à ce jeu. En fait, j'aime bien parler, raconter de la merde et du coup, bah, des fois, je fais vraiment pas attention. C'est pas. En fait, j'arriverai pas à jouer en hardcore en streamant, en fait, parce que je suis pas du tout concentré. Alors, il y en a qui arrivent bien à le faire, hein, mais moi, je suis déjà mort deux fois. En plus, je connais pas très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça fait depuis Perantus que j'ai pas joué. Donc je connaissais ni les prophéties qui m'ont déjà tué deux fois. Les prophéties, elles m'ont tué deux fois. Comme je dis, je connaissais pas. Donc j'ai eu deux morts là-dessus. Ah non, mais je peux pas. Je peux pas jouer. Je suis pas assez concentré. Je connais pas assez bien le jeu pour jouer en hardcore. Et honnêtement, des fois, je suis un peu. Foncer un peu dans le tas, donc en fait, ça me fait chier d'être tout le temps là. Limite, dès qu'il se passe un truc, faut faire échappe. Non, c'est bon. Là, c'est juste pour voir découvrir les nouveautés de l'extension. Donc, j'avais pas fait ni les prophéties. Donc, les prophéties m'ont tué deux fois. Et les essences m'ont tué une fois. Ouais, je sais, c'est vrai, c'est en hardcore qu'on apprend de ses erreurs, mais en fait, là, après, c'est le. Le problème, c'est que j'ai la flemme après de refaire un personnage. En fait, le leveling dans les jeux, enfin, pas forcément Path of Exile, hein, mais dans les jeux en général, ça me saoule. Parce que. Ah, t'avais pas. Oui, bah, ça, les résists sur Piety, c'est un des trucs que j'ai appris il y a longtemps. C'est vrai que. Non, mais en fait, je suis mort de trucs cons, hein. C'est même pas, je suis mort. En fait, je suis mort de choses que je connaissais pas. Je suis mort sur une prophétie. Avec des spectres, donc j'en avais jamais entendu parler, j'avais pas fait la ligue prophétie, donc j'arrive dans la zone, il y a la prophétie machin, les spectres m'ont permafreeze et ils m'ont tué, voilà, j'ai même pas eu le temps de rien faire, je connaissais pas, donc honnêtement ça m'aurait fait rager de, sachant que ça m'aurait fait rager de perdre un perso là-dessus, sachant que bah, faut tout recommencer, en plus ça arrivait en cruel, il leur fallait tout recommencer à zéro. En vrai, c'est ça que j'aime pas, c'est de recommencer à zéro. Vraiment, déjà que le leveling, je le trouve. Enfin, il est assez long quand même. Moi, je prends mon temps, voilà,
Je joue pas forcément longtemps au jeu, je joue à peu près voilà 5 heures par jour, je fais des quêtes et tout. Là déjà ça m'a pris je sais pas combien de temps pour en arriver là. Ça drop pas sans... en hardcore. Ah je sais pas ça. Je sais pas du tout si ça drop masse en hardcore. Je sais pas s'il y a un drop rate plus vénère, je sais pas. Pour le coup. Comme je joue jamais au hardcore. Allez, regardez la puissance de ces trucs là. Du coup je dois trouver quoi là? Ah oui, je dois trouver la bannière. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler que ça dropait masse en hardcore, mais après peut-être hein, ça fera que je suis pas vraiment intéressé à ça. Voilà, bon, allez, on va chercher la barrière. Alors mon totem là, il fait un peu la gueule malheureusement. J'ai l'impression qu'au niveau du but, je suis dans le creux de la vague. Ah, c'est mon sem qui drop, merde. Oh non. Oh non, pas encore les streams qui... Ah oui, mais parce qu'on est mercredi. C'est parce qu'on est mercredi. Oh là là. Ok, alors attends, parce que... Du coup, parce que... Le mercredi, sur le serveur de Paris, c'est l'enfer. C'est vrai que j'avais oublié. Je vais... je reviens. Je vais... Ah, mais du coup, je suis obligé de quitter le stream. Non, je suis pas obligé de quitter le stream. Je peux baisser le bitrate. Voilà. Je vais baisser le bitrate sur le mercredi. C'est vrai que c'est l'enfer. J'ai un logiciel, je crois, qui me dit comment sont les serveurs. Je vais aller le vérifier. Téléchargement. J'ai un logiciel qui me dit la MS. Alors voilà, c'est JPTV Ping. Je vais regarder ça. Mercredi, les serveurs sont surchargés. Alors regardons ça. Bah non, pourtant le serveur FR est à 2 MS. Ah, c'est bizarre. Le serveur FR, il est qu'à 2 MS. Il devrait pas y avoir de drop. J'ai pas de drop de mon côté. Attends, je vais baisser le bitrate un petit peu, peut-être. C'est vrai que. C'est vrai que le mercredi, peut-être que voilà, il y a peut-être plus de monde. Ouais, j'ai baissé le bitrate. N'hésitez pas à faire un F5. Mais là, en fait, je peux rien faire à part potentiellement tenter de changer de serveur. Et ça, c'est l'enfer. Oh, silver coin. Faudrait que je fasse une. Je pourrais aller chercher une prophétie après ça. Moi, je vais revenir en ville. Je disais, ouais, le jeu, j'ai l'impression que je suis dans le creux de la vague. Là, mon totem, il fait pas... Il faisait beaucoup de dégâts pendant tout le... Là. Ah bah oui, il y avait un boss, là. J'ai l'impression que le totem, ouais, il m'a bien carré pendant un bon moment. Ah, merde. Voilà, vous voyez pourquoi je joue pas hardcore, parce que là, je faisais pas attention. C'est le build de War Chief. Non, pas de Thunder du tout, c'est le totem. Alors pour le moment j'utilise Thunder, mais quand j'aurai deux totems, peut-être que je devrais aller chercher le deuxième totem maintenant. En fait, sur le build, il le conseille de le prendre à la fin. C'est ça qui est très étrange. Bon, pour le moment je vais rester comme ça. C'est le Warchief totem machin là. Non, pas encore, bah en fait, c'est ce que j'étais en train de... Ah, attends, mais parce que ça, je sais pas trop... Ce que j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que voilà, je regardais le build tout à l'heure et je disais, c'est bizarre le mec. Enfin, je suis un build, hein, voilà, je... Je fais pas de théorie craft ni quoi que ce soit, je regarde un build et je copie-colle, voilà. Et le truc, c'est que le mec, dans son build, il prend Ancestral Boon à la fin du leveling. Ça me paraissait vraiment bizarre. En fait, il prend tout et à la fin, il switch en deux totems. Et justement, juste avant de stream, je me disais, mais est-ce que j'irai pas rusher Ancestral... Voilà, comme tu dis, j'irai pas rusher Ancestral Boon. Et je pense que c'est ce que je vais faire, en fait. Et c'est très bizarre qu'ils le mettent comme ça à la fin. Pas trop compris où est l'intérêt, peut-être qu'il va... Je sais pas, voilà. Oh là là, je prends tellement de dégâts là. Peut-être qu'il va chercher d'abord de la défense au lieu de l'attaque. Juste des trucs défensifs. J'ai failli crever encore là. Je vais voir, je vais...
truc c'est qu'Ancestral Boon, j'ai l'impression qu'il est loin. Faut que je regarde le arbre de talent là. Ah, attendez, celle-là c'est laquelle? C'est le. Ah oui, c'est la deuxième. C'est la deuxième, celle-là je peux level up. Celle-là, je crois que je vais arrêter de la level up maintenant. Attendez, parce qu'il faut que je regarde les trucs. Alors déjà, je vais regarder Ancestral Boon. Il est où? Je crois qu'il est par là. Voilà, Ancestral Boon. Ouais. Il est là. Je suis 64, j'ai toujours pas pris le côté offensif de mon arbre. Ah d'accord. Moi, j'ai pris tout ça, là. En fait, ça, c'est quoi? C'est juste que j'ai suivi le build du type, hein. Est-ce que je prends... Ouais, est-ce que je pourrais aller... Il me faudrait 1, 2, 3, 4... Ah, il me faut beaucoup de points quand même pour aller chercher. Hein. Ouais, je vais voir. Oui, je voulais voir un truc sur mes... Sur mes... Non. Sur mes gemmes. Alors, Infible. Ah, le totem golem, là, il est 54. Oh putain, va falloir que je... 52, putain, faudrait que je le réduise là. Faudrait que je le réduise ce truc là, putain. Je crois que je l'ai levelé trop le totem, le golem. Il est niveau 54. Ah, je crois que je l'ai monté trop ce putain de golem là. Parce que du coup, faut que je monte le Caswen Dommage Taken. Et il est 54, faudrait que je le monte niveau... Ah, niveau... Au moins niveau 8. Et du coup, ça me ferait 1200... Ah non, c'est... Faut que je réduise le totem flamme. Le golem flamme. Parce que sinon, il va jamais se faire réinvoquer. En fait, le but, c'est qu'il soit tout le temps... Tout le temps up. Bref, il est bizarre de montrer. Bah, je sais pas, moi, je l'ai pris vraiment sur un build sur le forum, hein. J'ai pas cherché plus loin. Ah, j'ai pas cherché plus loin. J'ai regardé un peu tout et j'ai vu que ça avait l'air pas trop mal. Ça, je pense que je peux le monter, ça. Niveau 33 et plus. Ouais, je pense que je peux le monter. Comme je dis, ça fait vraiment très long. Enfin, ça fait un bon moment que j'ai pas joué, donc là, je... En plus, je teste un truc que j'ai pas vraiment... J'ai jamais joué, vraiment. Enfin, j'ai joué double totem, mais jamais celui-là. Non, il n'y a pas de bot qui kick les liens. Par contre, j'ai mis le kick de lien automatique de Twitch. Mais n'hésite pas à le mettre. Je peux le voir, en fait, même s'il est ban. Enfin, même s'il est... Tu ne seras pas kick, mais le lien sera supprimé, en fait. Mais je le verrai. C'est juste pour les bots qui, de temps en temps, viennent mettre des liens douteux sur les chats. Et non, tu ne seras pas Théo pour un lien. Alors attends, celui-là du coup c'est quoi celui-là? Ah, ouais, celui-là je pense que... Ah, je peux arrêter de le monter. Ah, je verrai ça après. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Et je vais avancer un peu. Parce qu'aujourd'hui le but c'est de faire du Merciless. Donc on va avancer dans le Gemu. Je prends tellement cher ici là. Malakai, ça va être vénère. Je pense que je sais pas si je vais prendre les trucs défensifs plutôt. Parce que là j'ai l'impression que je prends méga cher. Et j'irai voir le lien après de ton build. Je vais d'abord finir ça. Ça, Increase Duration, oui, je peux le monter, ça, y a pas de souci. Ah, le voilà. Et voilà, le golem qui est mort encore. Enfin, vraiment que le... En fait, faut que je le délevel mon golem. Parce que sinon, il va jamais se faire réinvoquer. Il est mort. Attendez, je vais m'écarter, voilà. Pourquoi il aggro pas mon putain de totem là? Voilà. Non, il veut m'aggro moi, hein, y a pas de souci. Allez. Oh, ça va, là il est bien. Ouais, mon totem il fait plus de dégâts là, hein, c'est ouf. Je suis quand même en cruel là, ça me fait peur. Hein. Voilà, il est mort, la bannière. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, ok, travaille-toi, Gay. Donc, du coup, ici on a fini. Je vais aller regarder ton build. Mais en fait,
Ah, je pourrais te le linker le build en fait après pour que tu regardes si tu veux. Pense que ton bah mon arme c'est oui c'est vrai que mon arme on me l'a filé en fait et peut-être qu'elle commence à être juste. J'ai ça, j'ai la wide swing et peut-être qu'elle commence en effet à être un peu juste. Elle m'a bien carré jusque là mais là j'ai l'impression qu'on voit les limites de l'arme en fait. Parce que je me disais ça hier en fait, je me disais ah ça se trouve l'arme elle commence à être un peu en PLS. Regardez le build après. On va aller voir ça. Là faut que je vende. Ah j'ai une prophétie à prendre, je vais la prendre. Ça alors du coup ça. Oh c'est pas mal ça. Ouais commence à être juste. Ah attends parce que ça c'est pas mal ça. Un tri-résiste. Sachant que je suis en PLS de lighting. Je suis à 32% de lighting. Avec ça, ça me ferait combien? Ça me ferait 60, 65% de lighting. J'ai envie de prendre ce casque juste pour la lighting résiste en fait. Je vais essayer d'upgrade celui-là, voir. Ah, celui-là, il est pas mal aussi, hein. Il est moins bien, mais enfin, il est moins. Oh, là, si les lightings là, ils sont excellents, quoi. Le problème, c'est que je perds quoi là-dedans? Je perds de l'intel. Bon, ça, c'est pas très grave. Je gagne en armure. Je perds 59 HP. Ah non, il faut que je le mette celui-là. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Et en plus, le problème, c'est qu'il faut que je fasse 3 links pour pouvoir mettre ça là. Ouais. Bon, ça, alors, ça, déjà, on va le dégager. Ça, ça, je vais le vendre. Ça, est-ce que je tente d'avoir un truc mieux que ça? Putain, ouais, celui-là, il est dégueulasse. Il n'y a qu'une seule résiste, mais bon. J'ai pas trouvé mieux. Ça, faut voir ce que c'est. Bon, ça, ouais, c'est de la merde. Je vais déjà vendre ça, c'est sûr. Celui-là. Attends, je disais quoi? C'est celui-là qui est bien. Celui-là. Non, celui-là, je le vends. Bon, ça, je le vends aussi. Ça aussi. Je vais prendre une prophétie. Ah oui, j'ai fait une prophétie hier aussi. Alors, on va avoir un spirit in the Lord Labyrinth. Ah, c'est un truc dans le labyrinthe, ça. Ça, je vais la garder pour après. Ouais, je vais essayer de mettre ça là. Je vais essayer de faire ça. Parce que là, je gagne tellement en résiste de tout là-dessus que je peux pas le. Oui, c'est vrai, je peux pas, mais j'ai pas encore commencé vraiment les. Ouais, je vais aller voir, tiens, si je peux pas mettre des PV là-dessus. Mais j'ai rien encore, j'ai rien fait sur le hideout. Mon hideout, il est basique, hein, j'ai horreur de m'en occuper. Ah, y a que ça. Le hideout du pauvre. Je peux peut-être essayer de mettre un truc dessus, je sais pas quoi. Ah, y a que dalle, faut vraiment que je le level. Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Je sais même pas s'il y a assez de place. Je les connais pas donc pour chaque fois je mets au pif. Trisocket. J'ai même pas le truc 4 sockets quoi. Bon ça à la limite. Ah si, 4 link. 5 ah putain 5 fusing pour le 4 linked socket. Je vais voir. Je sais pas si j'en ai pas 5 déjà, sinon il me l'aurait dit. Il n'y a pas le truc pour amener au maître de la vie, c'est lequel? Ah c'est celui-là. Ah, il n'y a pas de PV. Faut pas mettre des PV. Ah si. Ah j'ai pas 10 trucs. Oh là là. Le pauvre. Ah bah oui, c'est parce que j'ai. Ah là là, ouais, c'est parce que j'ai voulu mettre reroll la flasque. Donc j'ai plus rien en fait. Ok. Ouais, je sais, chaque truc a son type d'arme, mais là, ouais, je suis tellement pauvre. Bon du coup, on va le. Bah si, j'ai 5 trucs là. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est lequel déjà? Voilà, c'est celui-là. On va mettre un 4. Parce qu'il est bien, hein, putain, 30. Les résistes sont ouf. Et je pourrais mettre de la vie là-dessus, donc c'est pas trop mal. Pourquoi il me. Pourquoi il veut pas? Ah, mais oui, il faut que j'ai 4 sockets. Ok, alors attendez. On va essayer de faire ça. Non. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié. Voilà, ça, comme je dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je redécouvre à chaque fois le jeu. Alors, normalement, là, c'est good. Voilà. Craft. Ok. Alors, dessus, on met quoi dessus?
Je suis en train d'y réfléchir. Qu'est-ce que je change ça? Bah, de toute façon, ça, je peux le laisser là, c'est bon. Cast when dommage. Ah, attendez, parce que là, il y a le cast when dommage taken. Là, il n'y a rien de fou. Je vais mettre ça pour le moment. Faut que. Ah oui, alors, attendez, non, je vais mettre ça déjà. Ah, déjà, là, les résists, elles vont respirer. Surtout la lighting resist que je suis en manque. Je vais regarder combien j'ai maintenant. Ah bah voilà, je suis capé. Très bien. Ah, c'est parfait ça. Ce casque qui tombe à pic, hein. Après, je mettrai de la. Je pense que mettre de la vie dessus, ça sera bien. Mettre des PV en attendant d'avoir mieux. Des PV ou de l'armure en plus, je sais pas trop. On verra. Faut que je délevel un truc aussi. En attendant, est-ce que j'ai un. Ouais, j'ai un scoring. Alors, je sais plus c'est quoi le machin pour le faire. Je crois qu'il faut mettre le. Alors, le flamme totem. Je crois que c'est ça. Hein. Là, c'est des souvenirs. Hein. Summon flamme totem. En fait, le problème, c'est que le flamme totem, il est linké avec le cast when damage taken. Et en fait, le but, c'est que le totem, le golem, il soit tout le temps là, en fait. Peu importe. Donc, du coup, là, si je level up ça pour qu'elle soit au niveau du golem de flamme, je vais devoir me prendre beaucoup de dégâts avant que le truc soit réinvoqué. Et le but, c'est qu'il soit réinvoqué assez souvent. Donc, je vais perdre en dégâts, mais il sera beaucoup plus présent, en fait, le golem. Donc, je vais le délevel up un peu. Alors, je sais pas combien. Alors, je pense qu'il faut quand même que je level ça un coup. Parce que là, va falloir vraiment. Je vais le délevel. Est-ce que je le délevel maintenant? Putain, je sais pas. Alors, je vais le laisser, je verrai après. C'est chiant avec ce cast when damage taken, c'est que tout doit être bien comme il faut. Ouais, ce niveau. Je pense que je peux le monter niveau 12 celui-là. Mortal Call, Increase Duration. Ouais, je verrai après. Donc là, c'est bon. Déjà, on est capé niveau résiste. Ça fait plaisir. Déjà, ça, c'est une bonne upgrade. Bon, je vais continuer à leveler celle-là, là, cette Cast When Damage Taken un petit peu. Puis on verra. Ce casque, il est OP, hein, quand je vais le level up, là. Enfin, quand je vais l'enchanter. Ah, merde. Alors, est-ce que je prends une nouvelle armure? Il me faut. Ah, il n'y a pas d'arme à deux mains. On peut prendre un shield. Ouais, je sais, Berix. Je sais. Je me rappelle comment ça marche ce truc-là. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je prends. Il n'y a rien qui me plaît là-dedans. J'aimerais bien prendre un shield. Ouais, je vais prendre ça. Je sais plus. Non, mais j'ai bien compris. C'est pour ça qu'en fait, le problème, c'est que le golem de feu, je l'ai trop level up. Et du coup, faut que je level up ma Cast When Damage Taken et du coup, c'est de la merde parce que bah forcément, je vais prendre plus de dégâts pour l'invoquer. Donc, à mon avis, il va falloir que je le délevel un peu le flamme golem. Sinon, le Cast When Damage Taken va pas être ouf. Et il va jamais être réinvoqué parce que soit je vais pas me prendre assez de dégâts, soit c'est la merde. Alors, par contre, le Immortal Call, ça va. Golem niveau 6. Ah putain, Golem niveau 6, tu me conseilles? Ah attends, je regarde. Ah ouais, moi il est niveau 11, putain. J'ai trop monté, je pense. Et. Ah, Golem niveau 8. Et cast 6. Cast, du coup, ça me rassure, je peux le monter. Il faudrait que je diminue de 3 niveaux le Golem. Bon, déjà, je vais monter la gemme et on en reparlera après. Faudra me rappeler, surtout. qu'il y a ça à faire. Parce que je risque de l'oublier tout à l'heure. Ok. Alors du coup, faut le réinvoquer à la mano. Je sais pas où il est. C'est quoi ça? Infeeble. Ah oui, j'ai Infeeble, mais ça, je m'en fous en fait pour le moment. Pourquoi j'ai Infeeble? Infeeble, c'est pour après. En fait, Infeeble, je l'ai mis pour... Ouais, mais ouais, je sais que c'est trop cher, mais en fait, alors attends, déjà, je vais mettre ça. Infeeble, increase.
Non, je vais mettre ça là. Ah, c'est cher, il y a juste des scourings. Hein. C'est des scourings, je crois, qu'il faut pour diminuer le level de ce machin là. Ah, je me perds tout le temps. Ah, ça c'est chiant si c'est golem là. Je me barre. Ouais, il manque à trade, ouais, je sais. En fait, il me manque plein de trucs, hein, le build là, il est, je l'ai fait. Enfin, j'essaie de le suivre, mais j'ai pas encore tout bien mis comme il faut, il manque plein de trucs. Hein. D'ailleurs, il conseille, peut-être que tu connais, il conseille Val Lightning Trap dans le build. Ah, il faut que je regarde où je te le mette et je regarde ton build aussi. Enfin, si c'est pareil. 2 scoring égale 1 KO. Ah oui, quand même. On verra. De toute façon, comme je dis pour le moment, on verra. J'ai pas. Pour le moment, en fait, je fais comme je peux. Mais bon, c'est vrai que, ouais, un KO, ça fait beaucoup. Mais tant pis, je crois que je l'ai déjà fait. Tant pis. De toute façon, un KO, c'est rien. Ouais, là. Ah, attends, parce que là, je prends cher. Alors là, je suis capé déjà, c'est bien. Ouais, il y a Val Lightning Trap. Alors, faut que je te link le build, peut-être que tu pourras me dire. Parce que ça m'a paru extrêmement bizarre aussi. Alors, regardez les HP qu'il a. Faut que je change d'arme. Faut que je change d'arme. Celle-là, elle est plus assez bien. Je suis étonné aussi de ce Lightning Trap, pardon. Je sais pas d'où il sort, mais en tout cas, le mec le met. Ouais, faut que je trouve une arme, là. Ça commence à être juste. Je pense que c'est pour ça. En fait, cette arme-là, elle m'a bien carry. Mais non, mais le build, il est pas. Attends, je vais te le linker après. Je fais ça. Toujours le. Attends, je vais te le montrer maintenant et tu me diras ce que t'en penses. Le build est. Enfin. Regarde. Je le mets vite fait sur le chat. N'hésitez pas à faire des remarques, mais voilà. Franchement, le build a l'air bien, mais je comprends pas le Val Lightning Trap, en fait. C'est, je sais pas. Je sais pas d'où il sort, je sais pas pourquoi il est là. En fait, en plus, le Lightning Trap, il est mis avec Cast When Damage Taken, en fait. En fait, c'est pour caster automatiquement une trappe. Alors, sûrement pour de la défense. C'est quoi, ça? Ouais, ils sont. Qu'est-ce que c'est que ces mobs là? Ils font mal en plus là. Ah, je prends trop. Ah non, mais mon arme elle fait plus de dégâts là. C'est fini là. Regardez ça, je mets 3 heures à tuer un mob. Ah non, faut que je change d'arme là. Ça commence à être short. On va changer d'arme à la moindre occasion. Bon, sur les trash ça va, mais sur les mobs vénères. Sur les mobs vénères, c'est un peu chaud. Donc, dès qu'on a une arme mieux, eh ben on la prend, on va l'utiliser. Est-ce que je dois trouver un truc ici? Je crois que c'est au niveau 2, la quête optionnelle. Je vais aller voir. En plus, on va bientôt level up. Non, je pense que je vais prendre de la défense là. Je pense que là, ça devient. Le DPS, je l'aurai avec une nouvelle arme. Regardez, ouais, non, je suis plus de dégâts là. Oh, faut que je trouve une arme avant Malakai, hein, sinon ça va être l'enfer. Hein. Alt, ouais. Là, il y a plein de golems. Je sais pas, le build avait l'air. Enfin, le build est solide, hein, après, au niveau. Là, c'est parce que j'ai une arme de merde, mais j'ai pas eu de soucis depuis un bon moment. C'est juste ce Lightning Trap que je m'explique pas, en fait, sur ce build. Oh non, mais dis pas qu'il pue parce que je suis lancé là-dedans. Apparemment, il est bien. Il est bien. Vas-y, dis-moi pourquoi il est nul. Explique-moi le pourquoi. Parce que moi, je ne sais pas. Pour moi, il m'avait l'air vraiment bien, quoi. Ah, je vais être tristesse parce qu'il y a mon oreille, je recommence en fait. Donc, au pire, on partirait avec un build nul. Mais tant pis, hein. Je recommence pas tout le jeu là. Ça m'a déjà saoulé le cul. Et c'est quoi qui est nul alors? Parce que le totem il est bien là.
n'est pas un build friendly. Quoi, c'est un build friendly? Il dit de prendre Berserker. Ouais, je sais, ouais. Non, mais ça, j'ai vu ça. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais bon, voilà, ça m'a pas empêché de leveler. Hein. Ouais, après, oui, ça, c'est sûr que. Après, ça m'a. Ouais, comme je dis, ça m'a pas empêché de leveler maintenant. Bon, ça. Là, c'est quoi ce machin là? Oh là là! Oh là là, alors là j'ai plus de DPS là. Le DPS est perdu. Je suis obligé de prendre une potion de. Ouais bah oui c'est ça le. Bah là je peux le level sans problème. Hein. C'est horrible là. Regardez le DPS. AFK, je cherche du DPS. J'ai perdu mon DPS, l'avez-vous trouvé? Ah voilà. Oh, il y a beaucoup de stuff là. Faut que je trouve une arme. Faut que je trouve une arme. Voilà, une masse. Alors je sais plus le Thunder ce qu'il faut. C'est des masses. Masse, axe ou staff. Ok. Bah déjà on va prendre ça. On va prendre ça. Oui, je vais les acheter les trucs. Je vais les acheter, c'est prévu. Alors attends, parce que là, du coup, y a quoi là-dessus? Oh putain, va falloir que je fasse 3 Link et 2, là. Ah, ça va être l'enfer. Ah, attends, parce que du coup, faut que je trouve une vraie bonne arme. Hein. Bon, ça dégage, si on veut pas. 1700 DPS, et ça me met combien? 1100 DPS, d'accord. Bon, ça, c'est de la merde, déjà. 1700. Alors attends, 1748. Ah, elle est pas mal celle-là, mais c'est pas non plus fou. Hein. Ah, si, quand même. Je gagne 200 de DPS. Si. Je gagne 200 de DPS avec ce staff-là. Ouais. Est-ce que. Ah, oh, putain, c'est chiant parce qu'il faut que je link ça comme il faut et tout là. Oh. Ça va être l'enfer. Genre qu'un staff, c'est de l'intel. Max, faut une arme max pourcentage dégâts physiques, ouais. Ah, celle-là, on n'a pas. Putain, non, elle est nulle. Enfin, je vais les vendre. En fait, elle est nulle, mais elle me up. C'est ça le pire. Elle me up quand même. Bon, je vais continuer là-dessus. Ah merde, j'ai pas mis le. Ah, j'ai pas mis ça. Ah merde, ah oui, du coup, j'ai. C'est barré. Ils n'ont toujours pas réglé ce bug. À chaque fois que je change d'arme, ça se remet sur l'arme de base. On verra, on va essayer d'en trouver une mieux quand même. Parce que c'est vrai qu'en plus de l'intel pour avoir des gemmes rouges, ça va être l'enfer sur Terre. Ah là là. Regardez la PLS d'un build. Ah là, c'est compliqué. Ça va être compliqué les boss, ça va être compliqué. Va falloir faire quelque chose. Très vite. Va falloir espérer un drop. Merde, j'ai pas le totem. Voilà. Bon, ça je prends pas, c'est bon, ça me saoule. Je vais prendre que les gemmes avec. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ouh, ok. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais on va mettre le totem et on va se barrer super loin. Voilà. Ah, j'ai plus de défense, j'ai plus rien. En fait, là je sucks, là. Je sais pas pourquoi, là depuis que je suis entré en acte 4, parce qu'ils ont les mobs, mais ils sont ultra vénères. Je crois que mon build n'est plus adapté à tout ça. Voilà. Oh la vache, vous avez vu le petit marteau là, il m'a mis cher. Du coup ça, la quête c'est fait. Faut que je trouve le capture device. Alors le capture device, où est-ce qu'il est ? Je viens d'où là ? Je viens de là-bas, donc il doit être plus bas. Il peut être par là aussi. Alors aussi, si vous êtes jamais arrivé sur mon stream, je fais tout le tour de la map avant de trouver le bon endroit. Hein. Ça c'est un classique. C'est un classico. Alors du coup, Berix, tu comprends pourquoi il met Lightning Trap dans le build? Parce que moi, ça, je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Alors il le met avec Caswell, dommage Taken, donc je me doute bien que du coup, il veut le mettre pour l'utiliser de manière défensive.
Mais je sais pas, c'est ça m'a l'air un peu too much, quoi. Ça, c'est où? C'est pas par là déjà. Oh là là, on va chercher pendant 3 heures. Ouais, ça, je devrais peut-être acheter. Le problème, c'est que j'ai pas d'argent. J'ai zéro thune. Je suis à poil. J'ai pas assez de. Je sais pas combien coûtent les facebreakers, mais je pense que c'est pas dans mes moyens. Donc, va falloir attendre un peu. Putain, mais c'est où là? Où est-ce que c'est? C'est en. Oh putain, ça doit être en bas. Oh, mais je vais les acheter, les facebreakers, c'est juste. Ah, celui-là demande d'avoir des thunes de base. Ouais, mais. Enfin, ouais, mais fallait bien que je choisisse un build. Honnêtement, je pense que les facebreakers, je peux m'en passer, hein, si j'ai une bonne arme, en attendant. Où est-ce qu'il faut que j'aille là, putain? What the fuck? Là? Ah, ça doit être là. Les facebreakers, je pense que je pourrais les acheter après. Je pense que. Jusqu'à ce que j'ai assez. Il y a des duels qui sont très quoi. Ouais, mais là. En fait, les facebreakers, j'ai bien envie de les essayer pour voir un peu ce que ça donne. C'est vrai que c'est un item que j'ai toujours voulu tester et que j'ai jamais vraiment pu essayer. Enfin, j'ai jamais fait de build pour en fait. Et quand je les ai vus, j'ai dit tiens. Ouais, je vais regarder le build là, après. Je finis, je trouve le truc là et j'y vais. Le truc c'est que ton build, faut pas qu'il soit trop, qu'il change trop par rapport à mon skill tree parce que j'ai déjà respé des points. En fait, à la base, en fait à la base, je sais pas, t'as pas regardé le début de mes streams, mais j'avais prévu un autre build et je me suis rendu compte qu'il était encore moins friendly que celui-là. Du coup, j'ai changé. En fait, je l'ai changé à mi-parcours. Du coup, j'ai respé des points et là, je change plus. Hein, c'est bon. J'ai déjà eu le. J'avais pris un build. Mais non, 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 il n'est pas presque dead. T'inquiète, t'inquiète. Les persos presque dead, j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait pire que celui-là. Hein. Et je m'en suis sorti. Y a pas de raison que j'arrive pas à me sortir de celui-là. Je suis beaucoup trop loin d'Ancestral Boon. Attends, on va regarder. Mais non, il est juste là, Ancestral Boon. Au pire, je peux farmer. De toute façon, Malakai, quoi qu'il arrive, je le tuerai, même si je dois crever 50 fois. En fait, je sais pas par où il passe. Il passe par là ou par. Où il prend ça au passage. Il prend ça là. Ah, je sais pas, faut que je regarde le build exactement. Attends, je vais regarder. Ah merde, j'ai laissé le stream lancer, très bien. Ah, il passe par là, il prend ça. Non, je pense qu'il y a moyen, il y a moyen. Ouais, mais je sais, j'ai vu qu'il me faisait aller dans tous les sens, mais au final, je pense que c'est un build qui a l'air assez correct, il a l'air assez résistant. Il a l'air de faire un peu tous les boss. Oh là, alors là, celui-là, il. Alors attendez, parce que ça va être vénère. Trois essences à l'intérieur du truc. Préparez-vous. Ça va être l'enfer sur Terre. Ah non, je recommence pas. Je recommence pas à zéro. Non, non. J'ai déjà passé trop de temps sur ce perso. C'est fini. Non, non, je gagne. Non, parce que je joue pas en stream et je joue qu'au jeu en stream en fait. Donc j'ai déjà passé, je sais pas, j'ai dû passer au moins 8 heures dessus. Donc non. Allez les gars! Oh, celui-là ça va être l'enfer! Non, et en plus. Mais si, j'irai jusqu'au bas. J'irai jusqu'au bas. T'inquiète pas. J'en suis sûr. J'ai fait pire que ça. J'ai fait pire que ce perso. Et comme je dis, ça me dérange pas de crever en fait. Je suis pas hardcore, je m'en fous. Regardez la puissance de ce machin. Heureusement, je suis capé. Et encore même avec le capping, je mange. C'est chiant ces petits machins là. J'ai des trucs rouges qui s'affichent sur mon live. Comment ça, j'ai des trucs rouges qui s'affichent sur mon live?
Enfin, tu me fais peur là. J'ai des trucs rouges qui s'affichent sur mon live. Quoi? Attends, parce que là c'est pas clair. Je vais regarder sur mon téléphone. Comment ça, des trucs rouges? J'ai pas de trucs rouges qui s'affichent sur mon live. C'est quoi que t'appelles un truc rouge? Attends, je vais attendre, mais là, y a rien, là. Ok, bon, on verra. Si ça le refait. Ah, attends, parce que lui, il va être violent, lui. Ok. Des clignotements. Ah, ça vient de chez toi, j'ai rien sur moi, là. Parce que là, je regarde mon stream en même temps, j'ai pas de soucis quoi. Ok, bah désolé, hein, pas de soucis, mais là je sais pas quoi faire parce que moi j'ai rien sur mon téléphone. Enfin, je regarde le stream en même temps donc. Putain, on l'a tué. Oh! Ça c'était dur hein. Ok, qu'est-ce qu'on a dommage. Alors ça on va prendre. C'était des T3, T4. Le rouge, ouais, ça je comprends pas ce que c'est. Hein. J'ai aucun souci. On a passé 3 heures à tuer ce mob de merde là. En fait, il y a tout le temps des trucs, j'ai l'impression, sur mon stream, il se passe tout le temps des choses bizarres, alors que chez moi, j'ai rien du tout, quoi. J'ai aucun souci. La dernière fois, c'était quoi? C'était des... Ah oui, c'était le stream qui frisait, mais c'était à cause de la mise à jour. Ah, j'ai aucun truc rouge, hein. Je sais pas. Si vous avez des trucs rouges, n'hésitez pas à report. Alors, qu'est-ce que dommage Tekken? Voilà, les voler un peu. Alors du coup, je sais pas du tout où je vais là, je suis plus du tout concentré. Ah, c'est bon. On va aller par là. On va aller chercher Ancestral Boon, je pense. Ça peut être intéressant. Du coup, je vais par où? Je vais par là. Je vais le chercher comme ça et je vais le prendre là. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va aller le chercher. On va espérer l'avoir avant Malakai. Et à mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort. Et c'est vrai que le build, il est assez mal fait à ce niveau-là. Bon là ça va, faut que je trouve une arme, faut que je trouve une arme absolument. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain non, j'aurais pas dû faire ça. Ah, elle va rentrer dans le truc. Ok, on va se mettre là. Alors là c'est le moment que je déteste le plus. C'est quand mon build commence à être un peu merdique. Oh là là, ça va, celui-là il est moins chaud que l'autre. Heureusement que je suis capé hein, parce que là ça aurait été l'enfer sur terre. Alors faut que je trouve quoi là, le Rapture Device, ok. Ça doit être par là. Malaka, ah c'est là. Oh là là, va falloir faire l'autre jeu avec ce build, enfin avec ce DPS nul. Oh là là. Bon là on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On y est rentré mais on n'en est pas sorti. Est-ce qu'on prend une prophétie? On peut prendre une prophétie vite fait voir. Alors. Alors, on va tuer un ennemi possédé par un esprit tourmenté. Ok. Pourquoi pas. Bon, ça, du coup, c'est de la merde. Ça, bah, du coup, ça, je pense pas que je vais le remettre un jour, donc je vais l'enlever. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qui? C'est qui, lui?
sais pas. Je vais aller par là. Ah, Book of Skill, très bien. Book of Skill, ça nous rapproche d'Ancestral machin. Ouais, on y va, on y va. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points. 6 points à mettre, sachant que je peux refund des points ici si jamais j'en ai besoin. Donc, on va essayer d'avoir Ancestral Boon avant Malakai, ce qui risque d'être compliqué. Mais possible. Ah oui, c'est vrai, j'en ai encore. Je vais ranger ça dans le stash. Parce que là, j'ai trop de bordel. Ça, d'accord, ça, d'accord, ça, d'accord, ça, d'accord, ça, d'accord. Ça va falloir que je le délevel celui-là. Du coup, après, ça. Alors, ça, on met ça, ça, voilà. C'est quoi ça? Contempt. Et c'est celui-là. Tac. Ah, j'ai classé tout ça dans l'ordre, donc normalement c'est propre. Moi, celui-là, il est là, là. À trade, c'est où? C'est là. Ok, c'est good. On retourne là-bas. J'ai pris la quête ou pas? Ouais, ça c'est fait. Ouais, ça va être chaud, hein. Ça va vraiment être chaud. Surtout les deux boss, enfin le boss qui fait des épées là. Celui-là, il va être ultra tendax. Et Stalvine. Allez, c'est parti. Faut que je trouve une arme avant, va falloir vraiment. Ou alors, limite, j'en achète une et je tente un rôle dessus. Un rôle d'alchimie. Parce que là, celui-là, oh là là, je vais tenter ça, je pense, hein, parce que c'est l'enfer. Hein. Pas quoi mettre là-dessus, là. Bref, on va aller. Alors, est-ce que je fais celui-là en premier? Celui-là, je vais mourir 50 fois, donc je vais aller le faire en premier, au moins on sera débarrassé. Donc là, ça va être l'enfer. Heureusement que je suis pas au hardcore parce que là, à mon avis, c'est je meurs instantanément là-dessus. Et voilà, et ça, je peux pas les tuer parce que j'ai pas de DPS. Allez, meurs! Ah, il arrête pas de se barrer, le con! Oh, tant pis. Hein. Tant pis pour lui. Wisdom. Ah putain, une feeble, je sais pas si je dois le monter en fait. Ah, je vais le laisser comme ça pour le moment, une feeble. Ça sera pour après. Ça, oui. Ça et ça, oui. Ok. Ah non, Immortal Call, peut-être pas en fait, je sais pas. On verra après. On verra quand ça arrivera. Déjà, on va avancer là-dedans. Le boss me fait peur ici. Hein. Je meurs tout le temps dessus, au moins. Bah, surtout là, maintenant que que mon arme fait plus assez de dégâts. Ça va être assez drôle. Oh, on va se mettre là. On va mettre ça, voilà. Et il y a mon pet qui est toujours mort, le petit golem là. Vivement qu'ils soient invoqués automatiquement. Alors, ces petits archers là, ils font super mal. Surtout quand ils sont bleus. Voilà, là c'est bien. Je me mets là, ça je level up. Pour le moment ça se passe bien, mais comme je dis, c'est vraiment le boss qui va. Ah, c'est celui-là qui. Ceux-là ils sont ultra chauds. Bon, vraiment énormément de dégâts. Vous avez vu ma vie qui descend à vitesse. Les chiens encore, ça va. On dirait que je suis dans une map tellement mon build là il est asthmatique. Ok. Il n'y a pas une arme là-dedans. Hein. Immortal Call. Est-ce que Immortal Call je le level? Alors là ça c'est une bonne question. Pense que je peux le leveler, ouais. Je peux le leveler encore. Encore un petit peu. Faut que je trouve des armes. Faut que je trouve des armes, c'est. Ça va me changer la vie. Moi, une arme, hein, une arme. Je mets trop de temps à tuer les mobs, hein, c'est ouf. Il me faut une arme à deux mains. Ah, je vais tenter de leveler ça là. On va essayer de trouver un truc bien là-dessus. C'est une masse, hein, ouais. Alors, ça met quoi ça? Cold damage. Spell damage. Et ça met du physical. Attaque speed, ah c'est pas fou. Hein.
1700 et là. 1900. Ah, elle est bien en fait. Hein. Putain. Elle est nulle, mais elle est tellement mieux que ce que j'ai. Le truc, c'est qu'il n'y a même pas de pourcent... enfin, de truc là, de physical damage. Putain, je peux pas la prendre encore. Hein. Non, je vais la vendre déjà. Vraiment que j'en trouve une mieux. Hein. On va essayer de les d'en récupérer une mieux avant. Au pire des cas, je prendrai celle-là si jamais c'est chaud. Le build est asthmatique. Le DPS a disparu. Alors c'était très bien à l'acte 3. Là, l'acte 4, faut vraiment que je trouve une nouvelle arme. Heureusement qu'il y a le totem qui est là. Il carry la game. Oh, regardez les dégâts qu'ils me font. Enfin, c'est ouf. J'ai peut-être pas assez d'armure aussi, hein. Je suis en train de me dire, je pense ça, ça. Là, j'essaie vraiment de trouver. J'essaie vraiment de trouver une arme, peu importe ce que c'est. Il me faut. J'ai pas envie de gâcher des compos sur une arme qui sera pas terrible en fait. T'as, tant pis, t'as galéré. Ah, lui, je peux le tuer à la main. Alors, 500 rares monsters, ok, très bien. On a fait un challenge. Non mais là le boss là, je sais même pas comment je vais le tuer en fait. Hein. Je suis en train d'essayer, à moins que j'arrive à avoir une arme avant que j'arrive dessus. Voilà. C'est le seul, c'est la seule chose. Me sauve. Quoi ça? Il y avait un truc qui a sauté là, non? Ah là là, c'est par là-bas, je pense. Une box. Je regarde même pas les mobs en fait, je laisse le totem faire. Bah, il y en a un qui est tout seul, voilà. Et que de la merde. En fait, il me faut une masse ou une hache ou un staff. Mais staff, le problème, c'est qu'il n'y aura pas. Staff, c'est un tel, du coup, ça va être galère pour avoir des sockets rouges. C'est plus axe ou masse, en fait, qu'il faudrait. Oh là là, alors ça, par contre. Alors, on va courir partout. Ah, le totem a fait le carnage. Ah, il y en a encore! Je cours! Au moins, la bonne nouvelle, c'est que je suis à nouveau capé dans toutes les registres. Et ça, déjà, ça va être bien. Shockwave totem, on s'en fout. Et on va prendre ça. Ah, elle a duré 40 ans, la reine, là. Avec un peu de chance, on va arriver à avoir les deux totems avant le au moins Malakai. C'est l'objectif. Hein. Ça pexe quand même assez vite. Au pire des cas, je peux. Oh là là, ouais, lui il va. Voilà, il va faire mal. En plus, il y a des saloperies là. Heureusement qu'il y a le totem. On va le mettre là un coup. Ah là, j'essaye de survivre. Bon, lui fait des dégâts à feu visiblement, donc normalement on n'aurait pas trop posé de soucis. Oh, petit légendaire! Premier légendaire du jour. Voilà, il y a plein de loot là. J'ai tellement chaud. C'est quoi ce helmet là? Je l'ai jamais vu. Je clean les mobs et je vais regarder ce que c'est. Ça a l'air d'être de la merde, hein, mais bon, on sait jamais. Il y en a combien des mobs dans ce truc-là, là? Bon, là? Non, toujours pas. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'il est pas si dégueulasse que ça. Hein. Il est pas si sale, hein.
pas ce que c'est. J'ai jamais vu ce casque. Si le mien avait pas triple résist comme ça, putain, il y avait peut-être moyen que je le mette, hein, parce qu'il est. C'était pas là. Ah, c'est pas fini encore. Ok. On va continuer. J'ai jamais vu ce casque. Je sais pas si c'est nouveau ou pas. C'est toujours pas fini, il y a encore un mob là. Voilà, ok. Let's go! J'ai jamais vu ce casque de ma vie. En tout cas, il est niveau 55. Et en fait, vous avez 50% de chances d'éviter d'être freeze et d'être chill. Alors, chill, je sais plus c'est quoi. Mais c'est vraiment bien, quoi. Enfin, c'est dommage qu'il ait pas beaucoup de résist. Ouais, bon, c'est pas par là déjà. Bon, là, je vais me barrer de là, parce que c'est pas ici. Ah, oh, ils ont 50 HP aussi. 50 milliards d'HP. Oui, il y a les mobs qui font du bleed. Je sais, j'ai vu. Enfin, je fasse attention à ça. Parce que moi, je suis un spécialiste de mourir du bleed. Hein. Je suis le spécialiste là-dessus. Des fois, je vois même pas comment je meurs. C'est le bleed. Allez, c'est parti. Honnêtement, je pense que j'aurai le double totem avant Malakai. Ça a l'air bien parti pour. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils sont énervés? Ah oui, c'est parce qu'il y a un esprit qui est devant. Ça. Regardez le temps que je mets à tuer un mob élite quand même. Hein. Ah! Super. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il y en a un qui sort du. Ah mais lui je le tuerai jamais. Lui je le tuerai jamais. Avec mon dégât asthmatique. Ah non mais en plus avec les totems. En plus il tape même pas dessus là. Allez! Oh Valorb! Ah il est pas mort. Bon c'est pas grave, j'ai eu un Valorb. Les dégâts qui vous manquent. Est-ce que je peux sortir de là? C'est la question. Ah j'ai chaud. Allez, on avance, on va invoquer le pet. Alors le pet, je l'oublie tout le temps, hein. C'est très chiant. Tant que j'ai pas cast one damage taken sur le pet, ça je me casse, on s'en fout. Je sais plus c'est quoi chill. Chilled sur Path of Exile. C'est pas le truc de feu. C'est peut-être le truc d'électricité là. Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a plein d'armes. Pourquoi il me les montre pas, les armes? Je sais pas comment il file. Hier, je me suis posé là. Ah, ça, je vais le prendre. On sait jamais. On va essayer de se choper une bonne arme. Oh là là. Je pense à mettre le totem, sinon. C'est quoi, ça? Cast one damage taken. C'est la niveau 3. Donc ça, je peux le leveler encore un coup. Ok. On va essayer de faire quelque chose là-dessus. Pas mal. J'ai envie de dire, c'est pas dégueulasse. Maintenant, le problème, c'est qu'il va me falloir 5 sockets et... Oh là là, sinon ça va être l'enfer. Oh, va être l'enfer là-dessus. Voilà, bon, limite, ça, l'Ipslam, je peux m'en passer. Ça, je peux... Ouais. Ça va être chaud. Mais il me la faut, cette arme, hein. Bon, elle est niveau 57, je peux pas encore la mettre, mais elle va me up en DPS de ouf. On va voir, on va level up avant de pouvoir la mettre, et après on en discutera. Parce que là je mets trop de temps. Hein. Je mets trop de temps à tuer des pauvres mobs pourris. Je vous laisse imaginer les boss. Regardez ça! Il a combien d'HP le mob là? On va essayer de tuer d'abord celui-là, là il a l'air d'en avoir moins. Voilà. Et en plus il régène! Il régène! Oh là là, ok, salut. Ah, j'ai même pas assez de DPS pour le tuer! Ok.
On va y arriver, vous inquiétez pas. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais... Mais on va y arriver. Je vais m'écarter de lui, là. Ça serait bien qu'il arrête de magro, voilà.